Ешь, естественно, все нормально. Алиса, как сказать всем привет по-французски? Всем привет, это bonjour à tous. Bonjour à tous. Сначала я хотела что-то сказать по-русски, чтобы вам показать, что я пока не готова записать видео только на русском языке, потому что для меня это очень сложно долго говорить на русском, и я не могу сказать точно то, что я хочу, и да. Я понимаю русский язык довольно хорошо, но я почти никогда его не использую, потому что на работе мы говорим почти только на английском, и даже когда я скажу, что я хочу практиковать свой русский, это сложно на работе, потому что мы говорим о науке, науках, не знаю. И для меня сложно, я не знаю так много слов. Так что, да, на английском это легче. И я использую свой русский только когда я знаю, что это необходимо. Например, в такси или на поезде, когда люди вокруг меня говорят только по-русски, а не по-английски или по-французски. На самом деле, я думаю, что если я могла бы картавить на русском, было бы легче для меня все произносить. Но я думаю, что это уже поздно. Сейчас мне было бы сложнее картавить, думаю. Может быть. Некоторые слова я почти не могу сказать. Например, «наверное». Очень сложно для меня. Я тоже знаю, что я неправильно произношу «ы» и «ж», «л». Все эти твердые буквы, может быть. Потому что на французском мы их скажем очень мягко. И все. Я уже устала. Donc bref, je suis pas prête à parler en russe pour une vidéo entière et je vais continuer en français pour l'instant. Et de toute façon, la chaîne était destinée au français à la base pour montrer la Russie sous un autre angle et pas seulement du point de vue politique mais aussi de comment la vie quotidienne se passe. Le week-end dernier, je suis allée à Saint-Pétersbourg voir des amis et quand je suis rentrée dimanche soir, je me suis rendue compte en ouvrant mon ordinateur que ma dernière vidéo avait été visionnée par beaucoup de Russes. Donc normalement, mon audience était, je crois, 90% française ou un truc comme ça, ce qui paraissait logique puisque je m'adresse aux Français et je parle français. Mais je sais pas pourquoi, après plusieurs jours, une fois que je l'ai mise en ligne, elle a été recommandée sur le YouTube russe, même si je parle français tout le temps. Donc j'ai pas bien compris, je sais pas comment fonctionne YouTube, vraiment pourquoi après quelques jours elle aurait été recommandée à une audience différente. Et un public qui n'est pas visé en plus, mais bon, bienvenue du coup. Donc aujourd'hui, je sais absolument pas si je parle à des Russes ou à des Français. J'avais promis que j'allais raconter mon week-end à Saint-Pétersbourg, donc c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Mais avant ça, je voudrais juste répondre à certains des commentaires que j'ai reçus sous la dernière vidéo, parce que j'en ai reçu 200 qui disent la même chose, donc je pense que c'est nécessaire. Déjà, par rapport aux commentaires, je voulais vraiment vous remercier pour votre politesse et votre gentillesse dans les commentaires. Je suis assez étonnée d'ailleurs, en fait. Je m'attendais à plus de commentaires négatifs parce que je parle d'un sujet un peu controversé, ou assez controversé plutôt, la Russie. Donc merci beaucoup pour ça. Donc déjà, il y a vraiment beaucoup de gens qui m'ont demandé si j'étais russe, ou alors qui m'ont affirmé que j'étais russe. Et non, je suis absolument pas russe, j'ai zéro russe dans ma famille. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'avais sans doute des ancêtres qui devaient être slaves ou des choses comme ça, mais pas du tout. J'avais même fait le test d'ADN aux États-Unis, je sais plus comment il s'appelle. Il y a quelques années, et apparemment c'était tous mes ancêtres viennent d'Europe de l'Ouest, donc vraiment pas de sang slave. Bon après je sais pas à quel point c'est fiable ce genre de test, mais mon père est assez intéressé par les recherches généalogiques et les choses comme ça. Donc je pense que s'il avait vu passer un russe dans nos ancêtres, il me l'aurait dit. Et donc c'est pas le cas, j'ai pas du tout de sang russe ou de famille en Russie. Donc oui, j'ai déménagé en Russie complètement toute seule, et toute ma famille est toujours en France. Après, je pense que c'est vraiment une question de contexte, parce que quand j'étais en Suède, tout le monde pensait que j'étais suédoise, et quand j'étais en Allemagne, même chose, tout le monde pensait que j'étais allemande. Donc juste le fait d'être en Russie, ça fait que les gens, je sais pas, projettent sur moi l'image d'une Russe. Je sais pas très bien, à vrai dire, mais... Ou alors je suis juste un caméléon et je peux me fondre dans la masse dans n'importe quel pays du Nord. Ensuite, le deuxième type de commentaire que j'ai vraiment beaucoup reçu, c'était des gens qui n'étaient pas contents, parce que je me suis plaint dans ma dernière vidéo qu'il y a une pression en Russie sur les jeunes femmes pour se marier le plus vite possible et avoir des enfants le plus vite possible. Et donc il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'avais tort, que c'est absolument pas le cas en Russie, que personne ne force
ne force les femmes, les jeunes femmes à se marier. D'ailleurs, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit forcer. Je sais qu'il y a beaucoup de Russes qui m'ont écrit le verbe zastavliat, et c'est pas du tout ce que j'ai dit dans la vidéo. J'ai dit mettre une pression, donc davlianie. Donc déjà, je sais pas si c'est dû à la traduction, s'il y a eu une mauvaise traduction à un moment, mais j'ai pas dit forcer. Je sais bien qu'en Russie, on ne force pas les femmes à se marier. Aussi, ce qu'il faut garder en tête, c'est que je compare mon expérience en France par rapport à celle que j'ai en Russie. Donc moi, je maintiens qu'il y a une pression parce que plusieurs personnes m'ont fait la remarque. Des docteurs, d'ailleurs, j'avais croisé un docteur, j'ai déjà raconté dans une vidéo. J'avais croisé un vieux monsieur chez Auchan. Il m'avait demandé de l'aider à choisir des casseroles. Et je lui avais dit que j'étais pas très au fait de la différence de qualité entre les casseroles russes. Bref, on avait commencé à discuter. Et il m'avait dit qu'il était un ancien médecin, etc. Et on avait discuté de la Russie et des choses comme ça. Et puis il m'avait dit, attention quand même à avoir des enfants tôt, 27 ans c'est déjà trop tard et tout. Et ensuite, une deuxième fois, j'étais allée voir un médecin parce que j'avais une angine. Donc c'était une dame assez âgée. Et elle m'avait dit aussi qu'il fallait que je me dépêche de me marier. Donc déjà deux médecins en un an qui me disent qu'il faut que je me dépêche un peu. Donc pour moi, ça, c'est une sorte de pression. Et je sais que c'est pas mal intentionné et que c'est pas une mauvaise chose. Et d'ailleurs, j'ai très envie d'avoir une famille aussi. Ça fait très longtemps que je veux avoir une famille. Et si j'avais trouvé la bonne personne, je serais sans doute pas en train de vous parler. Je serais en train de m'occuper de mes enfants. Mais c'est pas si facile que ça de trouver un mari déjà. Donc je suis absolument pas anti-famille. C'est absolument pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il valait mieux prendre peut-être le temps de réfléchir quand on a 20 ans et quelques. Mais je trouve ça super quand il y a des couples qui se forment tôt et qui arrivent à rester ensemble. D'ailleurs, j'ai pris un screenshot d'une story assez touchante. J'ai trouvé d'une Russe qui raconte un petit peu son expérience après s'être mariée à 18 ans. Donc je trouve ça très touchant de voir des familles qui se sont formées tôt. Je sais que pour moi, ça n'aurait jamais été possible. À 18 ans, j'étais un bébé vraiment. Enfin, c'est plus prudent pour moi d'attendre de me connaître un petit peu. Et je pense que c'est le cas pour la plupart des filles, d'ailleurs. Après, par rapport aux études aussi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'est totalement possible d'avoir une famille et en même temps de faire ses études. Donc là, je pense que j'ai un biais parce que j'ai fait des études d'ingénieur en France. Et en école d'ingénieur en France, on doit y être à 8h du mat et on repart à 18h. Et après ça, on a encore du travail à la maison. Donc je vois pas comment c'est compatible avec une vie de famille, à moins de donner ses enfants à quelqu'un d'autre et de jamais les voir. Donc là, je vois pas l'intérêt. Donc peut-être qu'effectivement il y a des formations qui sont plus légères et qu'on peut s'arranger. Mais est-ce que vraiment ça vaut le coup de se dépêcher, quitte à ce que ça se passe mal, plutôt que d'attendre quelques années de plus avant de former une famille? Je ne sais pas. Enfin, moi j'ai mon avis sur la question. C'est aussi basé sur le fait que je suis française, j'ai été élevée en France bien sûr, mais aussi sur mon expérience personnelle. Et je sais que ça aurait été une très mauvaise idée pour moi d'avoir une famille à 18 ans ou 20 ans quand j'étais encore un bébé dans ma tête. Enfin bref, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai jamais dit que les femmes ne devaient pas avoir d'enfants et je sais très bien que les femmes sont plus heureuses en moyenne avec une famille et des enfants. Donc voilà, j'ai reçu à peu près 200 commentaires pour me dire à quel point j'avais tort. Une dernière chose quand même sur le sujet, c'est que la dernière fois j'avais mentionné les taux de divorce, que ce soit en France ou en Russie, qui sont très élevés et que j'avais dit que je trouvais ça assez effrayant. Et c'est toujours ce que je pense, à vrai dire. Il y a des gens qui m'ont dit d'ignorer les stats dans les commentaires, mais c'est difficile à ignorer quand une majorité de la population se sépare très rapidement. Enfin, moi je sais que personnellement j'ai pas envie d'avoir des enfants si c'est pour les élever sans leur père ou pour divorcer 2 ans plus tard ou quelque chose comme ça. Enfin, pour moi c'est plus sensé d'attendre 1 an ou 2 de plus, juste pour apprendre à se connaître un peu mieux, savoir ce dont on a besoin et pouvoir rester ensemble plus longtemps comme ça. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas. Je sens que je vais de nouveau avoir une bataille rangée dans les commentaires, mais c'est pas grave, je vous laisse vous exprimer. Ok, j'espère qu'on a fini avec ce sujet. J'ai reçu quelques autres commentaires qui me disaient par exemple que c'était facile de voyager quand on a des parents riches qui payaient tout pour moi, etc. Donc non, ce sont pas mes parents qui payent pour moi, je travaille, je suis ingénieure à Moscou, et c'était la même chose pour mes voyages précédents. Donc, mes parents m'ont payé mes études, ils payaient mon appartement, etc. Et après, j'ai eu des bourses aussi pour partir à l'étranger avec le système Erasmus, des bourses de région, des trucs comme ça. J'ai même eu une bourse de mérite, je sais pas comment j'ai fait, quand j'étais à l'université de Bordeaux. Donc non, mes parents ne sont pas super riches, mes parents ne financent pas mes voyages. Et en plus, je viens d'une famille nombreuse, donc ce serait un peu compliqué si mes parents devaient financer des voyages pareils pour tous les enfants. Il y avait aussi évidemment quelques commentaires qui me demandaient de parler de l'Ukraine. Mais je vois pas pourquoi je devrais parler de l'Ukraine, c'est un peu énervant pour moi de recevoir ce genre de commentaires. C'est toujours de la part de Français, ou quasiment toujours. Et mes amis ukrainiens qui regardent mes vidéos ne m'ont jamais demandé de parler de l'Ukraine. Enfin, c'est pas le sujet de mes vidéos. Moi, je m'intéresse à la culture russe, à la vie quotidienne en Russie. Et voilà, cette vidéo va durer 2 heures, je sens. Du coup, donc je suis allée à Saint-Pétersbourg. C'était sans doute la 7e ou 8e fois que j'y allais, je pense.
Et comme d'habitude, j'ai pris le train de nuit. Je sais pas pourquoi j'ai un vieux réflexe d'étudiante à toujours trouver les options les plus cheap pour voyager. Du coup, c'est pas toujours extrêmement confortable. Donc, comme d'habitude aussi, j'ai pris un Platzkart. Et à chaque fois que je dis ça à mes collègues ou à mes amis russes, ils me disent que je suis complètement folle, que c'est très inconfortable, etc. Et qu'il faut surtout pas prendre des Platzkart. Et je sais pas pourquoi, parce que vraiment, ça se passe bien. Je trouve ça plutôt confortable. Déjà, sur le plan pratique, on gagne vraiment beaucoup de temps, vu qu'on arrive le matin même, pas besoin de payer un hôtel en plus. Donc là, j'avais pris un Platzkart en dernière minute, il n'y avait plus beaucoup de choix. J'ai pris le moins cher en plus, donc il était pas, c'était pas le plus confortable du monde, mais ça s'est quand même très bien passé, sans aucun problème. Je prends pas de coupé parce que j'aime pas trop être enfermée avec 4 personnes, enfin 3 personnes. Pour moi, c'est plus agréable en fait d'être dans un espace ouvert, quitte à avoir plus de monde autour de soi. Je trouve ça un peu moins gênant que d'être... Enfin, en fait, ça dépend vraiment des voisins qu'on a, et bien sûr, en général, ça se passe bien. Mais la seule fois où j'ai pris un coupé pour revenir de Crimée, j'étais avec un vieux monsieur de 80 ans et quelques, qui avait beaucoup bu, et donc c'était un petit peu pénible de passer 30 heures enfermée dans un coupé avec lui. Donc depuis, j'ai jamais osé reprendre un coupé, je prends toujours un Platzkart. Et ça permet de rencontrer des gens, donc ça, j'aime bien. Là, pour le coup, j'avais un voisin très sympa qui était apprenti mécanicien, et au début, il m'a dit un truc que j'ai pas compris, du coup, je lui ai dit que j'étais française, etc. Donc tout de suite, il m'a posé plein de questions. D'ailleurs, ça, c'est un truc que j'ai remarqué chez les Russes plus jeunes, les ados, etc., ou un peu plus âgés. C'est qu'ils sont très curieux, ils ont plus de curiosité. En fait, ils sont moins blasés, je trouve, que ceux qu'on a en France. Et quand ils voient un étranger, ils ont envie de poser toutes les questions. Enfin, ils essaient de se souvenir de toutes les questions qu'ils pourraient avoir. Et encore une fois, quelque chose que j'apprécie toujours autant en Russie, c'est le fait de pouvoir avoir une conversation ouverte et intéressante avec quelqu'un de complètement étranger, complètement random. C'est des choses qui me sont vraiment très peu arrivées dans l'Ouest. Et d'ailleurs, je passe beaucoup de temps sur des sites d'échange de langues, où j'essaye de pratiquer, je sais pas, l'allemand, l'anglais, le russe, etc. Et tous les amis que je me suis fait dessus, les amis long terme, c'était tous des gens de l'Est. Et vraiment, j'arrive pas à accrocher avec les gens de l'Ouest, je sais pas pourquoi, ça vient sans doute de moi, je pense. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile d'avoir une conversation profonde et intéressante où il faut vraiment brasser beaucoup plus de monde. Et en plus, le fait de devoir toujours être politiquement correct et surveiller chacun de mes mots, ça me fatigue très vite, je déteste ça. Et en Russie, c'est beaucoup moins problématique, je trouve, on peut parler de façon beaucoup plus ouverte. Donc voilà, je me sens plus libre dans les conversations individuelles avec des Russes ou avec des gens de l'Est de façon générale. Et j'ai essayé hein, plus d'une fois d'avoir des correspondants américains ou anglais, etc. Et ça n'a jamais accroché. Les seuls amis anglais que j'ai, ce sont des Anglais qui ont déménagé en France. Donc déjà, ça les démarque beaucoup du reste de l'Angleterre. Donc bref, on a bien discuté avec mon voisin. Et comme d'habitude, on a eu la même conversation avec beaucoup de jeunes. J'ai cette conversation où je me rends compte qu'ils idéalisent complètement l'Ouest et qu'ils ont l'impression que chez nous, tout est impeccable, tout est beaucoup mieux qu'en Russie. Et ils ont presque un peu honte de la Russie. Sans se rendre compte que vivre à Moscou, c'est quand même beaucoup plus confortable que de vivre à Paris. Ah oui, quelque chose d'autre. Il faut que je le répète à chaque vidéo, mais je parle seulement ou principalement de Moscou, parce que j'habite à Moscou. Je sais que Moscou n'est pas représentatif de toute la Russie, il y a 150 personnes qui me l'ont dit dans les dernières vidéos. À chaque fois, j'essaye de dire Moscou si je m'en souviens. Mais quand même, en un an, je me suis déplacée en Russie, je suis allée voir pas mal de villes, donc j'ai quand même un minimum d'éléments de comparaison. Je suis allée deux fois en Sibérie, je suis allée à... Rizan, Pskov, en Crimée, etc. Enfin, j'essaie de bouger au maximum. Mais effectivement, je parle surtout de Moscou et non pas de la Russie en général. Enfin bref, il était encore tout étonné que je choisisse de vivre en Russie et non pas en France. Et en fait, je me dis souvent que les Russes ne se rendent peut-être pas compte d'à quel point la Russie change, surtout s'ils vont pas à l'étranger. Et encore une fois, je parle des grandes villes, de Moscou. Par exemple, mon collègue russe auquel j'ai dit que j'allais prendre un Platzkart, il m'a dit qu'il avait essayé une fois et que c'était vraiment horrible, etc. Mais ça devait être 20 ans avant. Donc il ne s'en rend peut-être pas compte que les choses ont bien changé et que c'est assez confortable maintenant de prendre un Platzkart. En tout cas, j'ai remarqué aussi que les Russes, quand ils ne parlent pas d'autres langues que le russe, ont tendance à avoir un peu honte de ça et s'excuser, etc. Ils s'imaginent qu'en Europe, tout le monde est super éduqué, qu'on parle tous plusieurs langues, etc. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Et en plus, c'est moi qui suis en Russie maintenant, donc c'est à moi de parler russe correctement. Et en l'occurrence, j'ai un peu de mal. En général, après un quart d'heure, je suis vraiment fatiguée. Un quart d'heure à parler russe, mon cerveau commence à ralentir, etc. Ça devient compliqué de faire des phrases qui ont un peu de sens. Aussi, un truc sur le plan pratique, il y a pas mal de gens qui m'envoient des messages sur Insta, etc. pour me poser des questions sur la Russie. Et notamment, est-ce que les panneaux sont traduits en anglais ou les annonces? Donc là, j'essaie de faire un petit peu plus attention à ça. Et quand j'ai pris le train cette fois-ci depuis la gare de l'Est à Moscou, non, il y avait quasiment rien qui était traduit. En tout cas, pas sur les panneaux d'affichage de départ, des trains, etc.
Toutes les annonces orales étaient aussi juste en russe. Il y avait seulement des annonces de sécurité qui étaient traduites en anglais, les annonces basiques qui passent de temps en temps. Low mobility passengers can request assistance. Mais après, je pense pas que ça pose trop de problèmes, honnêtement, de pas parler russe. Je pense qu'avec un traducteur, ça devrait pas trop mal se passer, je pense. Après, il y a vraiment très peu de gens qui parlent anglais, il faut pas compter là-dessus, à moins d'avoir un coup de chance. Même à Moscou, au final, je me rends compte qu'il y a assez peu de gens qui parlent anglais. Ce qui est très bien pour moi, d'ailleurs, je suis très contente, parce que c'est mon seul moyen pour pratiquer mon russe. Autre chose que j'apprécie beaucoup en Russie, c'est que les trains sont toujours très ponctuels, vraiment à la minute près. Jusqu'à présent, j'ai pas encore eu un seul retard en train, alors que ça fait un an que je me déplace pas mal en train. À Saint-Pétersbourg, quelque chose qui me frappe toujours quand j'arrive, c'est la différence de température ressentie en tout cas entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Parce que même si la température est en théorie la même, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup plus froid à Saint-Pétersbourg. Je sais pas si c'est à cause de l'humidité ou quelque chose comme ça, mais j'ai l'impression que le froid pénètre jusqu'aux os vraiment en 30 secondes. Et à chaque fois, j'oublie de me couvrir correctement. Je me fais toujours disputer par les Russes parce que j'ai toujours pas de chapka. Même après un an et quelques en Russie, je sais pas, je déteste ça, pour moi c'est super inconfortable. Et du coup je me fais disputer en permanence par les mamans russes. Mais bref, je me sentais assez stupide à Saint-Pétersbourg à avoir aussi froid. J'aurais pu anticiper, encore une fois, c'est pas la première fois que j'y vais. Et j'oublie toujours à quel point il fait froid là-bas. J'allais voir des amis qui sont à Tosna, qui est à 30 minutes de train de Saint-Pétersbourg. Donc le matin j'ai pris le train pour les rejoindre. Et j'étais accueillie sur place par les parents de mon ami Macha. J'étais déjà venue chez eux à Noël dernier et ils m'avaient vraiment très bien accueillie. Ça d'ailleurs c'est encore un truc que j'ai remarqué en Russie, c'est que les gens sont très très accueillants, ils ont un sens de l'hospitalité vraiment très développé et ils sont généreux aussi plus que nous je dirais, parce qu'en France ou dans l'Ouest de façon générale on est peut-être un peu plus individualiste ou quelque chose comme ça. D'ailleurs je pense que c'est pas seulement en Russie mais dans les pays de l'Est de façon générale, parce que quand j'étais en Pologne c'était la même chose, les gens étaient plus accueillants. En Pologne j'avais un petit peu remarqué la même dualité qu'en Russie, où les gens à l'extérieur, quand on les croise dans la rue, etc., sont plus froids que dans l'Ouest. Il faut vraiment prendre le temps de briser la glace, etc. Mais une fois qu'on est introduit dans un cercle d'amis, on se sent très facilement chez soi, accepté, etc. Donc en Pologne, c'était la même chose. À chaque fois que je rencontrais des gens, si j'étais présentée par quelqu'un, par un Polonais, tout de suite, il m'adoptait, en fait. Il me disait, au bout d'un quart d'heure de discussion, il me disait « Oh, viens, on va prendre un café, etc. » Après un café, ils me disaient « Oh viens, on va passer des vacances ensemble ». Enfin, ils étaient vraiment super accueillants. Et en Russie, c'est un petit peu la même chose. Donc là, quand la maman de Macha a appris que je faisais des vidéos sur la Russie, elle a tenu à ce qu'on filme des vidéos pour montrer un petit peu ce qu'on mange en Russie, en tout cas certains plats. Donc en plus, ils avaient fait des pirashki. Je vais vous montrer certaines vidéos qu'on a prises. Mais alors, je pense que je ne suis absolument pas prête à devenir actrice. Мама, да француз. А этот мед белорусский тоже попробуй. В общем, Габриэль, мы так рады, что ты приехала к нам. Саша вчера допоздна пёк пирожки и сказал, все время Габриэль приедет, надо, чтобы пирожки уже были сделаны. Попробуй, да. Ешь, естественно, все нормально. Смотри, какие фотки. Смотри, Габриэль. Donc oui, il me reste encore du chemin à faire, je pense. Enfin bref, c'était très drôle, on a vraiment fait ce qu'on a pu. Je l'ai déjà dit, mais souvent quand je suis invitée dans une famille russe, j'ai l'impression de faire partie de la famille très rapidement, dans le sens où la maman très souvent s'occupe de moi comme si j'étais un de ses enfants. Donc là, par exemple, elle m'a mis un bonnet de force sur la tête parce qu'elle voulait pas que je sorte sans ça. Et elle m'a enfilé 150 épaisseurs de vêtements aussi avant de sortir. D'ailleurs, elle avait totalement raison. Parce que, encore une fois, je suis complètement stupide avec ça. Pourtant, c'est pas la première fois que j'habite dans un pays froid. J'avais habité à Québec pendant un hiver. Et à chaque fois, je me couvre pas assez. Je sais pas comment c'est possible que ça rentre pas dans ma tête. Mais je sous-estime toujours le froid. C'est la même chose avec la nourriture aussi. Les autres Russes font toujours très attention à ce qu'on ait assez à manger. Enfin, c'est même pas assez à manger, c'est beaucoup trop à manger. Et à chaque fois que je suis invitée dans une famille, je repars avec assez de provisions pour tenir toute la semaine. Ensuite, la maman de Macha m'a emmenée faire du ski de fond. Et j'avais jamais essayé jusqu'à présent, donc c'était un peu compliqué au début de s'y mettre, le mouvement, etc. J'ai fait du ski de piste, mais déjà je suis pas excellente en ski de piste. Et puis là, il n'y avait pas vraiment de chemin tracé, c'était encore dans de la neige assez profonde. Donc on peut pas aller très vite et... Enfin bref, je pense que j'ai pas encore la technique. Красивого выхода не получилось, потому что мне нужно было первый отойти. Раз. Да, Габриэль, первый раз я увижу. Вот это да.
еще и запахнуть. Ура! Габриэль на лыжах, это же круто! La plupart des gens autour de moi, surtout de ma génération, ont l'air de détester le ski de fond. Mais pour voir des paysages et pour se promener dans la nature, je trouve ça plutôt pas mal, c'est assez relaxant. Dans la même journée, on est allé voir avec Macha la grande maquette de Russie. Donc c'est une maquette sur, qui reprend certaines villes importantes de Russie, Moscou, Saint-Pétersbourg, d'ailleurs Sochi, Kaliningrad, des choses comme ça. Mais c'est intéressant en tout cas de voir la Russie de haut, et c'est assez bien fait. C'était pas la première maquette que je voyais, j'en avais vu je crois à Hambourg, où il doit y en avoir pas mal en Allemagne il me semble. Et moi je trouve ça intéressant d'avoir un autre point de vue sur un pays ou sur des villes. Le soir j'avais pris un hôtel dans Saint-Pétersbourg. Normalement je prends des hostels, c'est ce qu'il y a le plus souvent à Saint-Pétersbourg parce qu'ils ont des espèces d'appartements avec pas mal de petites chambres et puis une salle de bain par étage. Donc c'est salle de bain partagée et donc chacun a sa chambre, ou c'est même parfois des dortoirs, ce qui est moins cher que les hôtels. Mais cette fois-ci j'avais envie d'être tranquille après avoir passé une nuit dans un placard. Donc j'avais pris une chambre. Une grosse différence entre Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est qu'à Moscou, ils sont très efficaces pour retirer la neige des trottoirs. Ils nettoient vraiment très bien la ville et très rapidement. Alors qu'à Saint-Pétersbourg, je sais pas pourquoi, la neige reste sur les trottoirs, elle est pas nettoyée, ou en tout cas juste dans les rues principales. Et donc ça rend les promenades plus compliquées. Donc là, à un moment, j'ai voulu descendre un trottoir gelé, et j'ai pas fait attention, donc je me suis cassé la figure. Tous mes amis m'ont dit que j'avais beaucoup de chance de ne pas m'être cassé quelque chose. Et oui, on peut voir ça comme ça, effectivement. Après, j'étais assez vexée parce que j'avais réussi à tenir toute la première moitié de l'hiver sans tomber une seule fois à Moscou. Et là, voilà, je vais passer 2 jours à Saint-Pétersbourg et ça n'y manque pas. Donc j'ai un genou bleu, enfin qui est plutôt noir d'ailleurs, maintenant après une semaine. À chaque fois que je déménage dans un nouveau pays, il y a des choses qui sont vraiment très mystérieuses pour moi. Donc en Allemagne, quand j'étais à Berlin, ce qui était le plus mystérieux, c'était de voir des petites grand-mères ou des petits grands-pères sur leur vélo qui allaient 4 fois plus vite que moi. Donc au début, je me suis dit, c'est pas possible, ça doit être des vélos électriques, je sais pas, il doit y avoir un truc. Mais non, c'était vraiment juste des vélos normaux, c'est juste qu'ils ont tellement l'habitude de prendre les vélos pour aller partout, qu'ils sont surentraînés. Et donc moi, à côté, je m'essoufflais à chaque petite montée, et pourtant Berlin, c'est plat. Mais bref, c'était un mystère de les voir passer à toute vitesse du haut de leurs 85 ans à côté de moi. Et en Russie, le grand mystère, c'est comment les gens font pour marcher sur la glace sans se casser la figure tous les 2 mètres. Moi, personnellement, j'y arrive pas. Pendant mon 2e jour à Saint-Pétersbourg, j'étais avec une autre amie, que je vais vous présenter d'ailleurs parce que j'ai réussi à la kidnapper dans un café et à la faire parler français en vidéo pour vous montrer un petit peu à quel point elle parle bien français. J'ai rencontré plusieurs femmes russes qui ont un français très très impressionnant, alors que parfois elles sont jamais allées en France de leur vie, comme mon amie Xenia. Et je sais pas comment elles font, elles arrivent à apprendre la langue à un niveau vraiment excellent. Donc ouais, j'ai rencontré, je pense, 4 femmes russes ou 5, un truc comme ça, qui parlaient un français impeccable. Alors que les autres nationalités, j'en ai pas encore rencontré, j'avoue. Surtout pas les Anglais et les Américains. Désolée si vous passez par là, mais j'ai encore jamais rencontré un Américain ou un Anglais qui parlait bien français. Enfin bref, j'ai réussi à filmer Xenia en lui faisant du chantage affectif dans un café. J'ai réussi à la capturer. Bonjour, je m'appelle Xenia, j'apprends le français depuis 4 ans. 4 ou 5 ans. J'ai appris le français à l'université parce que c'était ma première langue étrangère. Et voilà, à cette époque-là, j'ai rencontré beaucoup de Français ici parce que c'était le temps, l'époque où les Français venaient en Russie. Et maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais c'est toujours possible. Voilà. Et t'es jamais venue en France, c'est ça? Non, jamais. Et tu parles aussi bien français après 4 ans sans être venue en France. Comment tu as fait? Je sais pas, d'ailleurs, je ne pense pas que je parle si bien français, mais j'écoute beaucoup de podcasts. Je pense que c'est mon moyen préféré. Je regarde beaucoup de films, même en fond, si je fais la cuisine ou quelque chose qui ne demande pas trop de concentration. Donc, j'écoute du français, je regarde des films, je lis beaucoup en français. Bon, je suis plongée dans le français, c'est pour ça, peut-être. Je sais pas. Et je parle avec des Français, mais maintenant, c'est vraiment que 3, je crois. Parce que je n'ai pas le temps d'aller sur des sites. Comment c'était les sites d'échange de langue. Oui, voilà, quelque chose.
Mais je pense que ça reste possible d'apprendre le français ou une autre langue si tu habites et si tu ne peux pas voyager par exemple. Mmh. Et le russe, je crois qu'on peut apprendre le russe même si vous n'êtes jamais mis les pieds en Russie, ça reste tout à fait possible, je crois. En tout cas, je trouve ça vraiment motivant et inspirant de rencontrer des gens qui parlent une langue étrangère aussi bien et qui l'ont apprise juste en quelques années et sans même quitter leur pays. Enfin, ça donne envie de s'y mettre, je trouve. Avec Seigneur, en tout cas, on est allé visiter le jardin botanique. Donc l'hiver, peut-être que c'est moins sympa à visiter que l'été, mais même sous la neige, en fait, c'était très beau. On a pris une visite guidée des cerfs. La guide nous a donné pas mal d'explications intéressantes. Et notamment, il y a certaines plantes, elle nous a expliqué, qui ont été sauvées pendant le siège de Leningrad et qui sont toujours là. Elles sont marquées par un petit ruban coloré. Elles ont été sauvées par les gens qui travaillaient au jardin botanique. Et donc, c'est une histoire assez impressionnante parce que la guide racontait qu'ils avaient coupé le chauffage dans les serres, évidemment, au moment du siège. Et donc, pendant l'hiver, je ne sais plus si c'était un ou plusieurs botanistes qui avaient récupéré les plantes les plus précieuses ou celles qu'ils pensaient pouvoir sauver et qui les avaient ramenées chez lui pour s'en occuper et pour qu'elle reste au chaud pendant l'hiver. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ce week-end. J'ai pas encore décidé de faire une vidéo plus complète sur Saint-Pétersbourg parce que à chaque fois que je commence une vidéo, ça dure beaucoup plus longtemps que prévu. Donc faire une grande vidéo sur Saint-Pétersbourg, ça va me prendre 10 ans. Et après au montage, c'est compliqué parce que je radote et je dis n'importe quoi et il faut que je retire tout ça au montage, ça me prend assez longtemps. En tout cas, Saint-Pétersbourg, c'est la première ville que j'ai visitée en Russie et ça reste une de mes villes préférées. D'ailleurs, si j'avais le choix entre Saint-Pétersbourg et Moscou, je pense que j'habiterais à Saint-Pétersbourg. Parce que c'est plus facile de s'y promener, la vie est un peu plus lente qu'à Moscou, où Moscou c'est vraiment une fourmilière, donc on n'a pas le temps de profiter de la vie, je dirais. Et Moscou c'est une ville passionnante, je dis pas, c'est vraiment une ville très intéressante et très confortable, mais je préfère me promener à Saint-Pétersbourg, j'avoue. J'ai failli oublier aussi, mais il y a 2 semaines quand j'ai tourné la vidéo précédente, j'avais tourné le soir même, un truc comme ça, ou le lendemain, une autre vidéo pour les Français qui me posent des questions plus pratiques sur comment faire pour venir en Russie, les papiers dont on a besoin, etc. Et moi j'ai pas beaucoup d'infos là-dessus, j'ai juste mon expérience dont je peux parler, mais c'est pas très facile à généraliser. Il y a plein d'autres chaînes qui sont dédiées aux aspects plus pratiques du déménagement en Russie. J'avais quand même décidé de faire une vidéo avec le peu d'informations que j'ai, simplement pour ne pas avoir à me répéter quand des gens viennent me voir sur Instagram. J'essaye de répondre à chaque fois, mais j'ai l'impression d'être un perroquet à force. En plus, vraiment, encore une fois, j'ai pas beaucoup d'infos. Donc j'ai filmé cette vidéo il y a 2 semaines, un lundi soir, et je me suis rendu compte après au montage que j'ai l'air de très mauvaise humeur sur cette vidéo. Donc j'ai pas encore osé la poster, je pense que je vais le faire. Mais ne le prenez pas personnellement si j'ai l'air absolument grognon, c'est juste que c'était un lundi soir et que... Enfin bref, c'est ma tête du lundi soir que vous allez avoir la chance d'observer. De toute façon, c'est pas une vidéo très intéressante, c'est vraiment juste quelques aspects pratiques encore une fois. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et à la prochaine. Je sais plus ce que je voulais dire. Smile. J'en ai marre de mes cheveux. Ok, on s'arrête. Mmh. Oh. Bon, on a fini. Il y en a plus. Et pourquoi je choisis du sucre là? C'est vrai qu'il sent bon ton thé. Ça sent Noël. Mais pourquoi il fait ça? Ah, moi j'ai du sucre. Et pourquoi moi je suis pas... Toi t'as pas le droit. C'est parce qu'il y a trop de sucre. Ouais, ça c'est plutôt pour la bine. Bon bah désolé hein. Fallait lui demander plus gentiment. C'est parce que tu es française. Ouais, c'est le privilège des étrangers. Tu vois, même les machines descendent. Normalement c'est pas un privilège hein.